Non, vous ne rêvez pas. Ce n'est pas le Stade de France qui scande cette Marseillaise pour accompagner Mbappé et les Bleus, mais bien les 15 000 spectateurs de l'Accor Arena qui encouragent Cyril Gane. Nous sommes en plein cœur de l'UFC Paris, le plus grand événement de sport de combat jamais organisé dans l'Hexagone. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Il y a 10 ans, qui aurait pu prédire que l'UFC, la plus grande organisation de MMA au monde, viendrait s'implanter en France, là où ce sport est resté si longtemps rejeté. Même si l'organisation de combat de MMA est restée interdite en métropole jusqu'en 2020, des pionniers ont ouvert la voie, travaillé sans relâche pour monter des clubs, des organisations et encourager la pratique malgré les obstacles. Un long chemin de croix pour arriver à ce moment. Celui où 5 combattants ont la chance de représenter la France à domicile devant une foule en délire. Ils s'appellent Benoît Saint-Denis, William Gomis, Fares Ziam, Nassourdine Imavov et bien sûr, Cyril Gane. Et ils resteront à jamais les premiers à avoir foulé l'octogone iconique de l'UFC Paris. Aujourd'hui, on vous raconte le jour où le MMA français a explosé à la face du monde. Alors, sortez vos drapeaux bleu-blanc-rouge, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction la Ville Lumière, en ce 3 septembre 2022. Vous êtes prêts? Let's go! C'est la finale, vous avez quoi, Pascal? C'est une masterclass! Encore une! Attaque en triangle, il est déplacé! Le triangle est placé, c'est le jour! Il a pris en plein dans la mâchoire! Ah, attention! Là, il a pas la tête! Ça y est, c'est l'heure. Le combat le plus attendu de la soirée. Tai Tuivasa contre Cyril Gane, la superstar française, véritable cador chez les loups. Mais avant de commencer, on a une question pour vous. Comment faites-vous pour regarder les événements de l'UFC? Le meilleur moyen reste de passer par les diffuseurs officiels. Mais on sait que vous êtes nombreux à passer par des liens pas toujours très recommandables. Pour défendre vos données, aussi bien que John Jones défend les takedowns, vous aurez besoin de NordVPN. Grâce à lui, vous pourrez vous protéger contre les sites dangereux, les publicités infestées de virus ou encore les logiciels malveillants pour naviguer sereinement sur Internet. En plus, c'est le VPN le plus rapide du marché, plus rapide même que le jab de McGregor. Vous pouvez également changer virtuellement de localisation en faisant passer votre connexion par des serveurs NordVPN à l'étranger pour profiter des ligues étrangères de football et des grands prix de F1 ou MotoGP en vous connectant dans les pays où ils sont diffusés gratuitement sur des chaînes nationales. Il n'y a pas que l'UFC dans la vie. Et c'est pas tout. Profitez du meilleur tarif du moment et de 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans via notre lien affiché ici. Avec la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, c'est sans risque. Ok, Tuivasa contre Gane donc. L'un des combats les plus importants de la carrière du bon gamin. Alors certes, ce n'est pas pour un titre, ni même face à un combattant de renom, mais ce duel a une portée symbolique bien plus importante. C'est le moment de prouver que la France est un grand pays de MMA, qu'elle abrite de grands champions et un public chaud bouillant. Les 15 000 spectateurs présents s'enflamme quand Cyril Gane s'approche de l'octogone. Sans lui, l'UFC ne se serait peut-être jamais exporté jusqu'à la capitale. Alors le MMA, phénomène de société, ouvre espoir, on va ouvrir le premier chapitre de ce débat, on l'a vu dans ce reportage. En effet, le MMA est resté blacklisté sur notre territoire pendant très longtemps. Jugé barbare, cruel et violent, la discipline était presque considéré comme une injure aux nobles valeurs des sports de combat. Mais en 2020, la donne change et le MMA est enfin autorisé après des années de résistance.
Merci, ce rappelin. Les 12 000 premières places sont parties en 5 minutes chrono. 1591 euros, le ticket le plus cher. L'événement est complètement sold out already, and I think that, you know, another arena record, and, you know, first time in Paris. So, yeah, it's awesome. It's exciting. Ça tombe à pic, car au même moment, un Vendéen bodybuildé commence à se faire un nom dans l'octogone. Cet homme, c'est Cyril Gann. Formé en France par le célèbre Fernand Lopez, Cyril brûle les étapes pour se hisser dans les hautes sphères de la catégorie poids lourd à l'UFC. Chez les heavyweight, on ne trouve presque que des brutes épaisses affamées de chaos. Cyril dénote. Son bon gamin style, comme il le surnomme, fait de lui un combattant atypique. Touché sans être touché, un jeu de jambes efficace, une technique affûtée. En véritable félin, il mise sur l'évitement et attend le bon moment pour frapper. Une attitude dans l'octogone qui rime parfaitement avec sa personnalité, elle aussi à contre-courant de ce qu'on peut voir dans le roster UFC. Loin des bad boys vulgaires et provocants, Cyril est un garçon respectueux, blagueur et extrêmement détaché. Thank you. On croirait presque que la pression glisse sur lui. Mais ce soir, même le bon gamin ne peut ignorer cette pression. Déjà sportivement, car Cyril a subi sa première défaite à l'UFC quelques mois plus tôt, dans un combat fratricide face à Francis Ngannou. Un affrontement mythique que nous vous avons déjà raconté en flashback. Malgré l'échec contre le Predator, Cyril bénéficie d'une immense hype. L'UFC Paris est l'occasion parfaite de se relancer, chez lui, devant son public. Pour autant, une défaite serait catastrophique pour la suite de sa carrière. Alors, difficile de ne pas ressentir un peu de pression. Le fait que j'étais chez moi, le fait que j'avais une défaite avant et qu'il fallait assurer derrière, que j'avais pas trop le choix. Qu'avant, limite c'était mieux avant quand j'étais. Les gens me demandaient le fait que t'es invaincu, ça te met pas la pression. Ben non, au contraire, en fait, je me rends compte que c'était le contraire. Sans oublier que ce combat, face à Tai Tuivasa, a une portée symbolique gigantesque. C'est le moment ou jamais de mettre la lumière sur le MMA français. Et il n'y aura pas de seconde chance. Le public a déjà fait la moitié du job. Je compte vraiment sur vous pour faire comprendre à l'UFC, à Dana, au monde entier. On fait partie de la planète MMA. Les 15 405 billets de l'Accor Arena se sont arrachés en 9 petites minutes. Un record. Il ne reste plus aux 5 combattants français qu'à finir le travail. Cyril se retrouve face à son destin. La défaite n'est pas une option. Mais attention à ne pas se faire surprendre par Tuivasa. Ne vous fiez pas à ses kilos en trop. L'Australien cache une puissance redoutable. Avec déjà 11 combats à l'UFC pour un bilan de 7 victoires et 4 défaites, le garçon n'est pas à prendre à la légère. Surtout qu'il a déjà battu un Français par le passé, un autre Cyril d'ailleurs, Cyril Asker, en 2018. Même si le bon gamin et Tuivasa entretiennent une rivalité saine et respectueuse, l'Australien n'est pas venu jouer les faire-valoir. Sûr de la force qui habite ses points de fer, il compte bien gâcher la fête. Merci. On n'a pas besoin d'être d'autres personnes pour pouvoir faire du mal. Tu peux compter sur lui, tu peux compter sur moi aussi. Je sais pas pour vous, mais je me sens que c'est la première fois dans l'histoire de l'UFC que j'entends le public reprendre les mots de Bruce Buffer pendant la première. Ça n'est jamais arrivé. Incroyable. It's time, ça y est. Ça y est, on y est. C'est parti. L'UFC à Paris et le main event. Cyril Gann, bon gamin, face à Tai Tuivasa, bam bam. Et on connaît la puissance de frappe de l'Australien. Le combat commence et le public réclame la guerre. D'une seule voix. Les 15 000 spectateurs de l'Accor Arena lancent une Marseillaise à faire frissonner un mort.
place. Extraordinaire. Ça, ça vous galvanise pas dans l'octogone, je sais pas ce qui peut vous monter au sommet. Il faut dire que depuis le début de la soirée, les fans de MMA n'ont pas été déçus. Le premier combattant français à entrer dans l'octogone n'est autre que le God of War en personne, Benoît Saint-Denis. S'il n'est pas aussi connu et populaire à l'époque, il est néanmoins attendu au tournant. L'ancien soldat des forces spéciales a connu un véritable baptême du feu pour ses débuts à l'UFC. Le 30 octobre 2021, Benoît Saint-Denis est contacté en urgence par l'UFC pour affronter Eliseu dos Santos. En seulement quelques semaines, il doit se préparer et même monter en catégorie mi-moyen. C'était un combat dans une catégorie de poids qui n'est pas la mienne. Donc, les 77 kilos à l'UFC, on le sait, avec un rebond de 70 kilos, c'est les mecs qui vont être, en l'occurrence, là, qui étaient à 88 kilos 700 au jour du combat, moi à 80 kilos 300. Donc voilà, 8 kilos d'écart. Après, en plus de ça, le starine, donc la substance pour laquelle il a été contrôlé un petit peu de temps après. C'était le numéro 12 mondial, qui d'ailleurs vient de battre un cousin de Khabib son retour de suspension. Mais ce genre de défi n'effraie pas l'ancien soldat. Depuis ses 19 ans, il combat le terrorisme dans les zones les plus dangereuses du globe. Alors, ce n'est pas un Brésilien en short dans une cage qui va le faire reculer. Il y a un peu ce côté chevalier, quoi, qui est un peu une philosophie de vie que j'ai depuis gamin. Mais j'ai toujours voulu vivre une aventure engagée et combative, en fait. Ça m'a donné énormément de maturité, de la discipline. Ça m'a permis de comprendre un peu les rouages du MMA peu rapidement et de savoir où mettre les accents. Le jour J, c'est une véritable guerre qui fait rage dans l'octogone. Saint-Denis est incapable de se défendre face au déferlement de coups de son adversaire. Malgré le massacre, l'arbitre ne réagit pas. Mais l'abandon n'est pas une option pour Benoît Saint-Denis. Lui, le soldat qui a tant de fois risqué sa vie pour sa patrie. Aux forces spéciales, on va confier des missions stratégiques. La capture ou la neutralisation de leaders de factions terroristes, la libération d'otages. Il faut peut-être protéger notre Français là aussi, hein, Alan. Hein. Là, il faut peut-être penser à arrêter. Hein. Oh là là, mais c'est pas possible, faut l'arrêter là, faut l'arrêter. Mais qu'est-ce qu'il fait l'arbitre là? Il a toujours pas arrêté. Forcément, hein, il y a l'instinct de survie de la part de Benoît Saint-Denis qui lui n'arrêtera pas, c'est une évidence, mais il faut le protéger. Il reçoit un record de frappe significative au visage, sans jamais s'écrouler. Au-delà de la violence de ce combat, cette résistance hors du commun prouve que le God of War a un mental et un menton en acier trempé. Logiquement, il s'incline à la décision. Et quelques mois plus tard, Eliseu est testé positif à un produit dopant. On est surpris que les fédérations aient des telles différences de traitement en fonction du pays, en fait. C'est-à-dire qu'en France, j'aurais une victoire en disqualification, c'est-à-dire que j'aurais une victoire dans le top 15 en 77 et une victoire dans le top 20 en 70, donc c'est quand même pas mal pour ma carrière. Dans les États américains, j'aurais un autre test. Et à Abu Dhabi, c'est un pays où tu peux se faire choper un jour après pour tout ce que tu veux. Il n'y a pas de rétroactivité. Donc du coup, c'est un petit peu gênant. En attendant un possible no contest de l'UFC, Benoît doit composer avec cette défaite dès son premier combat. Mais vous l'avez compris, le soldat n'est pas du genre à se laisser abattre. Surtout qu'il est très bien entouré. Son coach et mentor n'est autre que Daniel Voirin. Ce nom ne vous dit rien? Pourtant, c'est l'entraîneur français le plus titré et le plus reconnu à l'international. Si Fernand Lopez est le phare qui éclaire le MMA français, Daniel Voirin en est l'ombre la plus épaisse. Longtemps exilé au Brésil, Daniel grimpe rapidement les échelons dans un pays où les sports de combat sont ultra populaires, au point de se retrouver à coacher des champions comme Dan Anderson et Lyoto Machida, ou même l'immense légende Anderson Silva. Le bilan est extrêmement prestigieux. 8 titres de champion, toute organisation confondue, dont 3 à l'UFC. Malheureusement, Daniel Voirin
souffre d'un relatif anonymat dans l'Hexagone. Frustré et en colère de ne pas être reconnu à sa juste valeur, il revient en France pour trouver LA nouvelle pépite. Celle avec qui il pourra faire briller le MMA tricolore. Lors d'une détection au Venom Training Camp de Rungis, Daniel remarque le potentiel d'un amateur. Il sent tout de suite sa hargne et sa détermination. Termine ta carrière militaire et reviens me voir. Cette phrase, elle s'adresse à Benoît Saint-Denis. Quelques mois plus tard, Benoît revient voir Daniel pour commencer sa formation. Le coach lui donne toutes les clés pour réussir dans la cage. Quelque part, c'était une aubaine et je ne sais pas beaucoup pourquoi. Moi, j'étais prêt à partir à Paris, suivre ce coach. Si jamais son coaching était adapté à ma manière de combattre, de réfléchir et de tout tenter pour tester. Quoi. Ensemble, ils perfectionnent les fondamentaux. Des coups basiques puissants, une bonne lutte, du cardio et surtout, un mental inébranlable. Et ça veut dire que tu peux aller avec lui à un combat relâché, que tu sais qu'il connaît les situations et il ne va pas être dépassé par l'événement. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est très terre à terre. C'est-à-dire qu'il ne m'a jamais dit « Ouais, Benoît, on va aller à l'UFC ». Il a commencé à me parler de l'UFC quand j'étais à 5-6-0. Il a dit « Bon, Benoît, là, faut qu'on monte en step, qu'on tape des mecs plus durs, mettre dans le top du classement, parce que là, il y a des chances que tu commences à intéresser des mecs, etc. » Et ça a été étape par étape. Après seulement 8 combats en Europe, Benoît Saint-Denis débarque déjà à l'UFC, dans la précipitation, avec le baptême du feu qu'on connaît. Malgré ce revers contre Eliseu, Saint-Denis poursuit ses efforts et remporte son combat suivant en juin 2022, sans jamais perdre de vue son objectif, être à l'affiche de l'UFC Paris et y massacrer son adversaire. Être présent à Paris est d'une importance capitale pour le God of War. C'est une chance de participer au plus grand événement du MMA français et l'opportunité d'enfin avoir un bilan positif. Évidemment. Mais c'est aussi l'occasion de mettre la lumière sur son coach, Daniel Voirin. Car depuis quelques années, tous les regards sont rivés sur Fernand Lopez, la star des entraîneurs tricolores. Une situation qui engendre une certaine dualité dans le MMA français. D'un côté, on a donc Fernand Lopez, boss de la MMA Factory, la plus grande salle dédiée à la discipline, et président de l'ARES, l'organisation numéro 1 en France. C'est aussi l'homme qui a lancé Francis Ngannou et Cyril Gane. Sans oublier tous les talents qui ne demandent qu'à exploser. Businessman aguerri et personnage influent, il se heurte toutefois à un plafond de verre qui met à mal sa crédibilité. Avec ses poulains, ils n'ont toujours pas réussi à aller chercher la ceinture UFC tant convoitée. De l'autre côté, on a Daniel Voirin, l'entraîneur des champions. L'armoire à trophées est bien garnie. Mais il souffre d'un anonymat frustrant dans l'Hexagone. Plus intéressé par ce qui se passe dans l'Octogone qu'en dehors, il n'a pas su, ou voulu, gérer son image. Là où Fernand Lopez a capitalisé sur la hype et le storytelling pour bâtir un véritable empire. Il est frustré parce qu'il n'a jamais rien gagné, il n'a jamais gagné les ceintures à l'UFC. Si les deux hommes ne s'apprécient pas, leur travail n'est pas forcément antagoniste. Lopez a permis à Cyril Gane d'être propulsé sur le devant de la scène, tout en attirant l'attention des médias et des décideurs. Tandis que Daniel Voirin apporte une expertise, une expérience et une crédibilité jamais vues en France. Malheureusement, l'ego des deux personnages empêche une collaboration durable qui permettrait sûrement au MMA français de passer un cap. Comme je dis, j'ai pas la science infuse, c'est ma méthode, chacun sa méthode. Ce qu'il faut voir, c'est les résultats. Voilà, si ça marche ou ça marche pas. Alors, en attendant, la team Voirin et la team Lopez tracent leur chemin vers le succès. Mais qui arrivera le premier à décrocher un titre à l'UFC? Je pense que ce sera Manon. Je pense que j'espère que ce sera Manon Piro, le premier champion de MMA. Revenons à notre 3 septembre 2022. Après une préparation laborieuse, Benoît Saint-Denis est enfin opérationnel. Une semaine avant l'UFC Paris, donc un mariage, je n'ai pas une date, parce que je n'ai pas prévu.
Donc il y avait ça, la perte de poids, staphylocoque à l'orteil, mal réparé. Très compliqué, pire camp de ma vie. Plusieurs fois dans le camp, on voulait annuler le combat. L'orteil, il venait en une saucisse, quoi. Et c'était compliqué. Mais on a forcé pour créer parce que justement, on disait qu'il y avait quelque chose qui valait le coup quand même d'être vécu. Il va être le premier Français à fouler l'octogone de l'UFC Paris. Croix des Templiers tatouée sur le torse et Jeanne d'Arc dans le dos, le God of War est prêt à partir en croisade. Celui qui se considère comme un chevalier des temps modernes compte bien écraser tous ceux qui feront obstacle à sa quête du Graal. Et aujourd'hui, c'est Gabriel Miranda, spécialiste de la soumission, qui va subir son courroux. Ça m'a galvanisé à certains moments du fight. Pendant l'entrée, c'est la première fois que pendant l'entrée, je ça m'a déconnecté un peu de mon objectif. Et avec un tel engouement que après, je ne m'en rendais pas compte. Et du coup, ça m'a un peu sorti. Je commence à regarder à droite, à gauche dans le public. Et il faut savoir se remobiliser une fois dans la cage, je pense, et laisser passer ce bain de foule. Aujourd'hui, troisième combat à l'UFC. Et c'est parti. Et ça commence. Benoît tout de suite, hein, qui prend le centre de la cage, c'est-à-dire qu'il met la pression à son adversaire. Fidèle à son style bagarreur, il se jette sans sommation sur son adversaire. Dominant et agressif, il livre une performance spectaculaire qui enflamme Bercy. Et Benoît qui prend des coups. Le backfist, il a touché. Il a touché le backfist. Il cherche le coup dur, Benoît, regardez. Ouais, il a touché. Il a touché. Il a touché. Et là, il y a l'accélération derrière. Il faut qu'il finisse maintenant. Il faut qu'il en profite. Il a l'air un peu débordé. Miranda prend la foudre. Et seule la cloche peut lui donner un peu de répit. Sauvé par le gong. Sauvé par le gong. Il met le feu à l'arène. Mais le Brésilien ne peut pas fuir éternellement. Dès la reprise, le God of War envoie son adversaire au tapis d'une patate surpuissante. Il veut ses 50K, Benoît. Hey, il a sauté. Là, c'est il bon. A sauté, là, c'est terminé. C'est la finale de Benoît par KO. Et la 5 est en feu. Benoît Sandy, quelle performance. La foule est en délire. Benoît Saint-Denis vient de remporter le premier combat de la soirée. Et de quelle manière? Le kick est hard. Le kick? Yeah. Yeah, it was good, but my it fucked up my feet after the first. C'est bloqué. I saw it was a good one, so I wanted to do it, but I was injured. It was a good deal. After the first kick, but I think it was good. C'est bloqué. You had a good right. Yeah. Right, twice. Yeah. Brown. I knew you would attack a lot. Your team. Bien chauffé par la prestation du God of War, le public parisien en redemande. Cette fois, c'est à Fares Ziyam d'entrer dans la cage face à Michal Figlak. Le Lyonnais est à un tournant de sa carrière. Avec un bilan de 2 victoires et 2 défaites, il n'a plus le droit à l'erreur. Pour mettre toutes les chances de son côté, il s'est exilé aux États-Unis. Pour lui, pas de Voirin ou de Lopez. Il veut s'expatrier pour passer un cap, comme Francis Ngannou avant lui. En Floride, il apprend auprès des meilleurs et change de mentalité. Son tempérament trop gentil est pointé du doigt, autant que ses lacunes en lutte. Un problème très français, car dans l'Hexagone, les combattants sont plutôt des strikers. Alors, sous le soleil de Miami, il travaille d'arrache-pied pour mettre tout le monde d'accord à Paris. Galvanisé par l'événement et sûr de ses forces, Fares livre le meilleur combat de sa carrière. L'entraînement a porté ses fruits. Il réussit plusieurs projections au sol et ne laisse aucune ouverture à son adversaire polonais. Là, on l'a vu, hein. Magnifique, c'est Fares qui amène le combat au sol. Quelle projection incroyable, il se retrouve directement en contrôle latéral. Voilà, c'est ça qu'on veut. Il a touché. Il a touché. Il a son coup de coude retourné. Et c'est ça, il soulève son adversaire et il projette son adversaire. Voilà. C'est une masterclass. Encore une. Retourne. Ça, c'est magnifique. Par en dessous et encore magnifique. En dessous. Magnifique, quel renversement. Malheureusement, ouais. Magnifique victoire de Fares. Il va s'imposer par
Magnifique. Grand retour à l'UFC et devant son public. Il l'emporte par décision unanime et passe le relais à un autre jeune mort de faim. William Gomis est le dernier protégé de Fernand Lopez. Issu de l'ARES, il obtient son ticket pour l'UFC Paris au dernier moment. La pression est immense pour sa première dans l'arène des organisations. Surtout qu'il est programmé en main card. Alors, comme pour tous les autres, la défaite n'est pas une option. Celui qu'on surnomme le Jaguar pour sa souplesse et sa capacité d'évitement a fort à faire face à Jarno Ehrens. Mais le garçon peut compter sur des kicks aussi ravageurs que son sourire. Il se déplace énormément, c'est parti ! William Gomis face à Jarno Ehrens. William Gomis, qui porte bien ce surnom de Jaguar, c'est un félin dans la cage, très agile. Plutôt... Dès l'entame, il rentre parfaitement dans son combat et profite de son bon momentum pour dominer les deux premiers rounds. Magnifique timing de William. Et il mixe la lutte et le sol. Attention à ce contre encore. Mais en MMA plus qu'ailleurs, le moindre excès de confiance peut se payer cash. Voir de relancer dans le combat et lancer la motivation. Beau geste entre les deux, voilà, petite accolade. Allez, on demande le soutien du public, c'est parti pour le troisième round. Tout est encore possible pour l'Allemand, mais le Français William Gomis mène dans ce combat. Attention à ne pas se faire surprendre. Dans la troisième reprise, alors qu'on pense que le plus dur est fait, Gomis se fait surprendre par l'Hollandais qui parvient à placer un triangle. Une prise qui ne pardonne pas. Qui vous donne quoi faire. Attention à ce triangle. Attaque en triangle, le triangle est placé. Le triangle est placé, c'est très dangereux pour William. Il faut lever la tête, il faut trouver une solution. Allez, il faut se décaler, comme il est en train de le faire là. Il faut sortir. Mais le Jaguar a le coup solide et un mental de champion. Oh, on vous l'a dit, à tout moment, ça peut basculer dans ce sport. Petit à coup pour pouvoir récupérer le bras et la tête. Allez, sors de là. Allez, William, 20 secondes. Allez, avec le soutien de Bercy. À 20 secondes d'une victoire. Allez, William, faut plus lâcher à 16 secondes. Il est en train de sortir la tête. Fini fort, William. C'est terminé. Aïe, il nous a fait frayeur. Lors des 30 dernières secondes, on a cru mourir. C'est fait, il a résisté. William Gomis remporte son premier combat à l'UFC et envoie un message fort à la catégorie des poids plumes. Le Jaguar est affamé. Et puis j'ai entendu tout mon public crier et je me suis dit je peux pas. Je préfère mourir que l'arrêter, on est à Paris ici. Je préfère mourir que l'arrêter, on est en train. Насудин, салам алейкум. Здоровья, береги себя. И в эти выходные ты должен сделать это. Удачи, брат, мы с тобой. Nerveux, Nassourdine Imavov trépigne d'impatience avant son combat. Initialement prévu en carte préliminaire, le protégé de Fernand Lopez a finalement été promu en main card au dernier moment. Cela ne fait que repousser la collision fatidique avec Joaquin Buckley. Le natif du Daghestan, d'habitude si taiseux, est à fleur de peau. Avec une défaite dès son deuxième combat UFC, son bilan est de 3-1. Toute nouvelle défaite serait un énorme coup d'arrêt. Surtout que Buckley est moins bien classé que lui chez les poids moyens. Un vrai casse-tête. Une victoire ne lui apporterait pas grand-chose, mais une défaite lui ferait tout perdre. Pour ne rien arranger, l'Américain ne cesse de provoquer Nassourdine depuis quelques semaines, ce qui a le don de le rendre fou. L'adversaire, il parle un peu beaucoup, donc il faudra le remettre à sa place. Un de nous va tomber, il va tomber sale, et moi je sais déjà qui. Que ce soit sur les réseaux ou lorsqu'ils se croisent, Buckley titille le français pour le déconcentrer. Imavov, qui a du mal à se créer un personnage et se lâcher devant les caméras, garde son calme tant bien que mal. Mais il sait que le jour J, il va libérer la bête qui est en lui. Et ce n'est pas un blocage au dos, deux jours avant le combat, qui va l'arrêter. Le guerrier taciturne attend son heure. Micro en main, la barrière de la langue l'empêche de se faire comprendre. Mais dans l'octogone, le message va très bien passer.
crowd, fighting at the Paris Fair. L'ambiance est au règlement de compte. Je peux comprendre, il est dans le top 15 UFC et il n'est pas sur une main card chez lui. Ça commence, ça commence. Allez, c'est parti, la sourdine Imavov tout de suite qui cherche à être agressif. Oh là là, j'en ai la boule au ventre, je vous dis. Complètement habité par la rage, Nassourdine se laisse submerger par ses émotions et se jette à corps perdu sur son adversaire. Il a touché là, dans la bouche, le protège dans la volée. Et est-ce que vous avez vu la patience et la sérénité effrayante? Regardez Nassourdine. Le public se régale de cette bagarre de rue qu'offrent les deux rivaux. Ça part de loin, mais il a vu le Nassourdine qui court et qui passe dessus. Elle est là pour surmonter. Ça, c'est une bonne position. Il va faire du dégât. C'est magnifique. Nassourdine est en train de l'attaquer. C'est magnifique. Allez, Nassour, vas-y. Oh, il est en train de lui mettre une vraie tempête. Allez, prise de dos. Il va prendre le dos. Plusieurs fois, l'arbitre doit intervenir pour calmer le Français devenu complètement incontrôlable. Wow. C'est la fin du premier round. Quel premier round. C'est la fin du premier round. Il termine fort. Il termine fort et regarde. Il faut qu'on se calme et qu'on gagne le combat. Arrête de nous charrier. Et l'arbitre est en train de se fâcher parce que tu le provoques trop. On se concentre, on le finit. Ok. Calme-toi, tu vas le tuer. Il a peur. Arrête de le provoquer, ne t'énerve pas, Nas, ok. Nassourdine domine, mais l'issue d'un combat peut basculer en une seconde. Surtout s'il perd sa lucidité et qu'il dépense trop d'énergie, consumé par la rage. Malgré un beau deuxième round, le Dagestanais perd le dessus et se fait très peur dans le troisième. Pas pour marquer des points, pas pour mettre KO son adversaire. C'est bien fait. Attention, il y a un crochet derrière hein, de Beuclet. Ah, Nassour, il lui dit hein, attention, le kick. Attention, il l'a pris. Il l'a pris en plein dans la mâchoire. Ça va. Mais bon, on peut très bien voir un KO. Attention à ce crochet. Beuclet qui revient bien en troisième round. Quelle générosité de la part de l'Américain. Regardez ça. Il est de côté, là, ça y est. Waouh, c'est la guerre pour les dernières secondes. 10 secondes. Attention à ce crochet droit, c'est Beuclet. Et Nassourdine qui rigole. Qui rigole de cette frappe qui va passer. C'est terminé. Il connaît son adversaire, c'est terminé. Quel combat, quelle performance. Merci les gladiateurs, vous avez été splendides tous les deux. Au bout de ses forces, il remporte ce combat de chiffonnier à la décision. Sa colère est apaisée. Son honneur est sauf et tous les Français ont remporté leur duel. Il ne reste plus que le main event. Après avoir été chauffé à blanc, ou plutôt à bleu-blanc-rouge, le public de Bercy est en fusion. Les deux hommes s'observent et font durer le plaisir. Ce n'est pas tous les jours que 15 000 Français peuvent assister en direct à un tel événement. Mais si Gann ne se précipite pas, c'est aussi qu'il se traîne une sale blessure à la côte qui pourrait fortement l'handicaper si son adversaire s'en rend compte. Dans la deuxième reprise, le bon gamin fait ce qu'il sait faire de mieux. Il gère la distance, épuise son vis-à-vis et porte quelques frappes pour marquer des points. Cyril est en maîtrise. On pense que le résultat est écrit d'avance. Mais si cette soirée nous a appris une seule leçon, c'est que dans l'octogone, le destin ne tient qu'à un fil. Cyril, l'intérieur est toujours le bras avant, qui l'a doublé. Ah, ça commence à faire mal et pourquoi pas tenter le petit takedown. Et il revient avec le bras avant. Qu'est-ce que ça fait qui avance, mais sans succès. Les Américains parlent d'un bras avant qui snap en dehors. Ça claque. Qui bouge.
Gann encaisse une énorme droite de Tuivasa dans le menton. C'est le premier knockdown de sa carrière. Il ne fallait pas enterrer l'Australien trop vite. Secoué par ce retournement de situation, l'instinct guerrier de Gann refait surface. Tu veux la guerre, tu l'auras. À être un trop bon gamin, il en oublie qu'en face, ses adversaires sont des morts de faim, avides d'argent et de gloire, et prêts à tuer pour les obtenir. Il suffit d'un coup, à tout moment. Attention, attends, faut sortir la cage, faut sortir, pas rester dans la cage, pas rester dans la distance. Oh, le contact pour Cyril, il a touché. Cyril, il va s'aller mal, oh, il est touché aussi Cyril. Il a touché à Cyril. Oh là là, c'est à 3 mois là. À tout moment, là où l'on tient. Les deux gladiateurs font pleuvoir les coups dans une ambiance de folie. Gann martèle le visage et l'abdomen de Tuivasa. Mais l'Australien résiste et continue de chercher le chaos. Le bon gamin se brise littéralement la main sur le crâne en acier de son adversaire. Mais cette fois, hors de question d'aller jusqu'à la décision. Bercy réclame du sang. Alors, le Français continue de pilonner le visage de Tuivasa qui offre une exceptionnelle résistance. Qui va soutenir le Français. Ah, il est incroyable ce taille Tuivasa quand même. Là, il est en mode... Oh la droite, magnifique aussi. Qu'est-ce que ça claque, même plus les coups. Et le high kick. Le high kick de Cyril. Cyril est serein pour le moment. Hein. Franchement, c'est calculé ce qu'il fait. Quel deuxième round. On n'a jamais vu Cyril dans ces situations. Il n'est jamais allé au combat et au carton comme ça. Il n'a pas eu le choix aussi. Tuivasa est parti le chercher. C'est historique ce qu'on voit ce soir. Un événement historique et un combat phénoménal. Jamais Cyril Gann n'a été premier knockdown de sa carrière. Hein. Il me semble. À l'UFC en tout cas. Et derrière ce coup. Dans sa carrière tout court. Allez, Cyril rigole. Parti pour la troisième reprise. Tout le monde est debout dans Bercy. On rappelle que c'est un 5 rounds. Antoine Legrand a pu le vérifier. Faire attention, c'est bon ce kick au corps. Non, Cyril il dit non, c'est pas un combat, tout va bien. Voilà, il en rigole. Voilà, il le dit, tu te fous de ma gueule. Mais c'est bon enfant. Voilà, bien le bras avant, ça fouette, ça snap. Il mettra encore ses middle kick au corps. Allez, faut y aller, il l'a touché. Allez. On n'a jamais vu un combat qui est bon enfant comme ça, c'est pas possible Taylor. C'est de la bagarre. On a envie d'en finir hein, malgré tout. C'est-à-dire que tout courant, train courant. Oh, super. Oh. Ah, il a fondé quand même un Bamba. C'est pas possible. Gros travail de démolition. Regardez, 50 coups touchés à la tête pour Cyril. 24 au corps, 14 dans les jambes. Cyril qui frappe et qui revient. Bien le front kick. Encore ce travail au corps de Cyril. Il y a encore le front kick. Il n'aime pas ça. Encore le front kick. Il pas ça. Dans la droite, dans la tête, il remonte à la tête et Cyril. Allez Cyril, terminé. Il cherche le coup dur, Cyril, le front kick encore. Le travail au corps fait des miracles. Allez Cyril, continue. À quelques secondes de la fin du troisième round, le bon gamin parvient enfin à éteindre la lumière. Allez, 40 secondes pour en terminer. Viens là. Oh, allez, les 40 debout. Il va ça. C'est pas possible, il va pas tenir, c'est terminé. C'est terminé. Quelle victoire exceptionnelle. Magnifique. Paris explose. Cyril Gann remporte le main event d'un UFC Paris déjà légendaire, où tous les Français ont brillé et où le public a montré au monde entier que la France est désormais un pays qui compte. Le succès est total. La hype autour de Cyril est à son apogée, au point d'être choisi quelques mois plus tard pour un title shot face à John Jones, la légende vivante. Mais ceci est une autre histoire, qu'on vous racontera en temps et en heure. Expected this from the fan of France, bro. But look at this. I'm so happy about that, bro. Look! Maybe you have London, you have England. Maybe, but you have Paris also, bro. S'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour Tuivasa. C'est un bel de combattant. Et c'est un mec en or. Thank you.
la France vient d'entrer par la grande porte dans le paysage de l'UFC, au point de remettre ça dès l'année suivante, le 2 septembre 2023, toujours à l'Accor Arena, pour un UFC Paris numéro 2 qui s'annonce exceptionnel. Sur la carte, on retrouve évidemment Benoît Saint-Denis face à Thiago Moises, un adversaire de taille pris très au sérieux par le God of War. Clairement, j'ai clairement mes cartes à jouer, donc je vais continuer à le prouver étape par étape. Et donc là, ça va être une grosse étape, Thiago Moises. Mais bon film, c'était une étape. Pour moi, c'est peut-être le mec qui tape le plus fort de ce duo. Il est très, très sous-coté. L'occasion de surfer sur son immense hype depuis son récent combat en juin et peut-être l'opportunité de se rapprocher encore plus de la ceinture. Regarde, il prépare sa main, il prépare sa main, il a tapé. Waouh. Ça peut suffire, on vous l'a dit. Oh là 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 là, incroyable. À ses côtés, de nouveaux visages, comme celui de Yanis Gemouri et Morgan Charrière, qui vont connaître leur premier pas à l'UFC. Une nouveauté majeure pour cette UFC Paris 2. Elle manquait cruellement l'année dernière, alors cette fois, Dana White n'a pas fait dans la demi-mesure. Le 3 septembre, ce ne seront pas moins de 3 combattantes qui seront à l'affiche de l'UFC Paris. Zara Fern, Nora Cornol et The Beast, Manon Fiorot, qui affrontera la redoutable Rose Namajunas dans un combat pour désigner la future challenger au titre des poids mouches. Pour la touche finale, le main event, qui d'autre que notre bon gamin national. Vivement critiqué après sa défaite éclair contre John Jones, Cyril doit impérativement se relancer face à Sergei Spivak, un adversaire solide mais largement à sa portée. Avec un tel menu, Paris risque de s'embraser une nouvelle fois. J'ai pas de mots pour décrire ce que vous êtes en train de nous faire vivre, les gars. Franchement, merci, 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 merci. On se posait énormément de questions sur ce qu'était le public français. Il n'y a plus aucun doute, le public français est un des meilleurs de la planète.